captivity about 10 years. 10 ans de souffrance. 10 years of suffering. D'humiliation. Of humiliation. Mais Jésus m'a délivré. But Jesus has delivered. Tu as produit des témoins efficaces. Au fond. Because I told myself that maybe it's in the Bible that Jesus delivers only the Jews.
Mais j'ai vu la main puissante de Jésus. But I've seen the mighty hand of Jesus. Bien aimé, il y a trois faits. There are three facts. Assez important. Very important. Que je vais signaler. That I'm going to share with you. Quand j'avais l'âge de 3 ans. When I was 3 years old. J'étais très malade, je suis tombé dans un coma profond. I was very sick. Le lendemain de mon hospitalisation, the next day when I was admitted at the hospital, le médecin qui est venu me voir, the doctor who came to see me, a dit que j'étais mort. Said that, reported that I was dead. Et la vient de sur moi et on disait à la mort. And they put a wrapper on me and they were sending me to the mortuary. Ma mère était dans le couloir et elle faisait beaucoup de vacarme. My mother was there making much noise. Tellement de bruit. So much noise. Qu'un médecin blanc. That a white doctor est sorti de la chambre, came out from his room, et a demandé qu'est-ce qui n'allait pas. And asked my mother what was going on. Et elle a expliqué, il a dit qu'il va essayer trois gestes de réanimation. Si à partir du troisième geste, je ne lève pas, c'est que je suis déclaré mort. Then she explained everything to my mother, and then he said that he's going to try three things so that I can be brought back to life. Au troisième geste, je suis revenu à la vie. Le médecin aussi a sauté. And he also jumped. Et il a dit ton enfant sera un bon médecin. Gloire à Dieu. Le deuxième fait, c'est que le deuxième fait, au primaire, ma mère m'entraînait souvent sur le marabout parce qu'elle disait que elle sentait que j'étais oppressé. So when I was in primary school, my mother used to take me to the fortune tellers because she said that I was oppressed. C'est quand j'ai retenu de mes consultations, de ces consultations chez le marabout. What I have bear in mind from all these consultations of the fortune tellers. J'étais très petit et ce qui m'a surpris, le marabout a dit que ton enfant est marié à une femme qui est dans l'eau. I was so small and that man said that your child is married to a woman who is in the water and sea. Ma mère adorait le poisson sucré qu'elle ne mangeait pas. My mom was worshiping a fish that she doesn't eat. Et très petite, elle s'habillait souvent en blanc et elle allait offrir des repas devant une mare. Et il y avait des gros poissons qui sortaient de cette mare avec des courries. And being small, talking about my mother, she used to be clothed in white and go to next to the water and offer food to some fish which came out with crowns on their head. Mon père m'avait dit que eux ils adoraient l'iroko. My father told me that they used to worship a tree called iroko. C'était des faits qui avaient marqué mon enfance. These are facts that touched me a lot when I was moved when I was small. Je voulais préciser que j'ai eu un bon cursus scolaire. I want to precise that I have I did well at school. Au primaire. In primary school. Au secondaire. In secondary school. Et un bon cycle universitaire. And I had a very good university cycle. J'avais la capacité de retenir un cahier de leçons de 10-3 jours ou bien de c'est naturel. Je pouvais bosser, réciter par cœur tout le cahier avec les virgules et les points de virgule à la fin. I had the ability to. I had the ability to retain lessons in a whole copybook. Et on m'a envoyé en médecine. And I was sent to study medical studies. J'ai fait mes 7 ans de médecine. And I did the 7 years of medical studies. Les études de médecine font 7 ans. Après mes 7 ans, j'ai fait une année de thèse. So after the 7 years, I came up to the year of thesis. Un fait qui m'a marqué, a fact that moved me, je dois passer un concours qu'on appelle le concours d'internat pour devenir professeur en médecine. So I wanted to take an exam that will bring me to become a teacher of medical studies. Et un jour j'étais allé à des funérailles en famille, j'avais déposé mon sac au salon. One day I went to a funeral with my family and I put my bag in a living room. Et j'étais revenu chez moi à la maison. And I came back home. Et j'ai ouvert mon sac et j'ai vu deux têtes de poisson fumées dans mon sac. I opened my bag and I saw two heads
fish that was smoked. J'ai passé deux fois le concours d'internat et à deux reprises j'ai eu des surmenages. And I took that examination two times, but it didn't work. À la deuxième fois, j'appartiens à une communauté, on a fait des prières, mais il y a eu des surmenages quand même. At the second examination, I was from a community, we started praying, praying, but it didn't work. Il était question pour le soutien de mon doctorat maintenant. So I was to defend my thesis of doctorate. Et bien aimé, à chaque fois que je rentrais dans un service, je pouvais travailler. Lorsque le professeur me disait, Laurie, il faut soutenir le doctorat, je quittais le service. So anytime I went into a service, I could work, but when the teacher told me that you must defend a thesis, I left that, I used to leave that service. Pourtant chaque soir, je pensais à mon doctorat. Et le matin, je n'avais même plus envie d'entendre parler du doctorat. But in the afternoon, I thought of my PhD, but when morning time came, I don't even want to talk about that. Et j'ai fait le service de réanimation, j'ai fait le service de rhumatologie, j'ai fait la chirurgie digestive, j'ai fait le service de pharmacologie, j'ai fait l'hôpital général, mais à chaque fois que je parle de doctorat, je quitte le service. So I've been working in many special services of medicals, special services of medicine. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et j'ai préféré devenir médecin de la vie. So I decided to become a street doctor. Et à un certain moment, je me baladais dans la ville de Bethléem. On m'appelait et j'allais faire des soins à domicile. So I was running around in the street of Benjamin and people called me and I used to go and give them medical cares at home. Entre temps, j'avais fondé une famille et j'avais des enfants avec cette belle créature qui est là. In the meantime, I have created a family. I have some children with that beautiful creature standing here. Amen. Praise the Lord. Bien-aimés, la souffrance a commencé. And suffering started. J'ai commencé à être un grand fumeur. I started to become a very great smoker, big smoker. Un grand alcoolique. A heavy alcoholic. J'avais maigri. And I lost weight. Satan m'avait touché spirituellement, physiquement, socialement et intellectuellement. The devil touched me spiritually, intellectually and physically. J'étais même pas moi-même les soins. Et même les infirmiers, là où je vivais, se moquaient de moi. Even nurses used to mock me where I was living. Physiquement, des cheveux blancs sortaient. Physically speaking, I started having white hair. J'avais des dents qui tombaient. My teeth were falling. Je mangeais mais je maigrissais. I ate, but I was losing weight. C'était la souffrance et l'humiliation. Suffering and humiliation. Quand je sortais et que je voyais un de mes collègues dans sa voiture, je me cachais. When I went out and saw a colleague in his car, I hid myself. Et j'allais abandonner ma famille complètement. And I completely forsook my family. Ma bien-aimée était obligée de vendre des gâteaux et des savons liquides pour subvenir aux besoins des enfants. My dear beloved, my beloved was compelled to sell cakes and liquid soap in order to find money and take care of kids. Je ne tenais plus que les maquilles pour boire la bière. Je fréquentais les cabarets pour boire le boutoukou. I was going in small places to drink what we call kutuku. Je n'avais même plus de tenue à mettre. I didn't even have clothes to put on. Tous mes pantalons étaient délavés. All my trousers were wearing. C'était la souffrance. It was suffering. Chaque nuit, je pensais à mon doctorat, je pensais à ma famille, mais je n'avais pas la force d'accomplir ces gestes. Every night, I thought of my PhD. J'étais en prison. I was in jail. En captivité. Captivity. Je ne savais plus quoi faire. I didn't know what to do anymore. Je voulais aller dans ma famille, mais je ne pouvais pas y aller. I wanted to go to my family, but I could not go there. Je voulais aller dans un service pour reprendre mes études, mais je ne pouvais rien faire. I wanted to go to a service just to retake my
families, but I couldn't do anything. Ma famille en souffrait. My family was suffering from all this. Et en se promenant, en vendant ses savons liquides, when my wife was selling liquid detergent, elle a rencontré une soeur qui nous a dénoncé aujourd'hui, la soeur Kadi. She met a sister called Sister Kadi. Elle lui a dit, je vais prendre tes savons liquides, mais je vais te donner Jésus aussi. That sister said, et la sœur l'a mis en contact rapidement avec le pasteur de Gonzague. And that sister put her in touch with Pasteur de Gonzague. Alors le pasteur a sauté sur cette occasion. À 4h du matin, j'ai quitté le lieu où j'étais. At 4 a.m. I left the place where I was. Elle avait commencé déjà à prier avec la CMC. She had started praying already with CMFI. Et lui a dit, j'ai tapé la porte à 4h du matin. And I knocked at the door at 4 a.m. Quand elle a ouvert, when she opened the door, j'ai dit, j'ai besoin de délivrance. I told her that I need deliverance. J'ai besoin de délivrance. I need deliverance. Et moi, je voulais une délivrance extraordinaire. But I wanted an extraordinary deliverance. Elle a dit que elle a rencontré un pasteur. She said that she has met a pastor. N'est pas comme les autres. He's not at the others. Elle a dit qu'elle a rencontré des frères. She said that she has met brothers qui sont remplis d'amour, who are filled with love, qui l'ont accueilli comme jamais on l'a accueilli, who have received her as she has never been received before. Elle dit, d'accord, on va essayer. I said, okay, I'm going to try. Et le dimanche, and on Sunday, je suis allé à l'adoration. I went to the church service. Quand il m'a fait l'adoration, je lui ai dit, je n'ai même pas la terre à me mettre. Before going to the service, I told her that I even don't have a cloth. Parce que dans l'ancienne culture, j'étais vraiment un peu tiré à quatre épingles. Because in the past, I used to be well dressed. Je lui ai dit, je n'ai rien à me mettre. But I have nothing to do. Je n'ai même pas de chou. Even I don't have shoes. Elle dit, viens sur le lit. Just come. Je m'en vais. I went. Je m'attendais à quelque chose qui était phénoménal. I was expecting something like a phenomenon. Un grand homme. Great, a big temple. Un grand choral. With a big choir. Très bien habillé. Well dressed. Elle dit, c'est dans ce salon-là qu'on va prier. Voilà Dieu. J'avais l'habitude de voir des pasteurs en uniforme. I was used to seeing pastors in uniform. Je voyais un frère habillé simplement. I saw a brother. Et quand je suis entré parce que je n'étais pas vite arrivé, when I got in because I was late, je regardais, je fixais les gens. I was staring at people. Parce que je me disais, ils vont me regarder, ils me disent qu'il n'est pas bien habillé chez lui. I was telling myself that they will look at me and say that personne ne s'est occupé de moi. No one cared about me. Et je suis allé m'asseoir. And I went to sit. La prêcher, la repentance. He preached repentance. La repentance. He preached repentance. Et après, and after, on s'est fait à tout. We had. À la fin, je vais saluer la main en vie. Sois béni. Et le pasteur s'est occupé avec moi. And the pastor exchanged with me. He told me, frère, brother, tu ne peux plus vivre avec la sœur. You can no longer live with a sister. Tant que tu n'as pas fait la dose. As long as they have not paid the dowry. Je dis d'accord. I said okay. Ça me faisait très mal. I was really hurt. It hurt me. Mais je dis d'accord. But I said okay. Il a dit. And he said. Qu'elle va vivre avec lui à l'église. She said that she's going to live with him at the church there. D'accord. I said okay. Parce que ça m'a arrangé aussi. Because it's also. Parce qu'il y avait des arrivées de loyer. Gloire à Dieu. Deux jours après, on cherchait de la maison. Les enfants et moi, nous sommes repartis en famille. And the children and me, we went to the family. La sœur, elle restait chez le pasteur. The sister went to live at the pastor's place. Le pasteur a insisté. Pastor insisted. Sur la repentance. On repentance. Au début, in the beginning, je n'avais pas encore pris la décision. I've not taken decision yet. Mais rien ne bougeait. But nothing was moving. Et je sentais qu'il fallait faire le pas avec le Seigneur Jésus. And I felt that I was to
make a step with the Lord Jesus. Parce que j'étais attaché à la cigarette. I was bound to cigarette. Et un jour j'ai dit, toi cigarette, je ne touchais plus à toi. And one day I said, you cigarette, I will not touch you. J'ai coupé avec mes amis. I cut with my friends. Au début, in the beginning, quand ils venaient me voir, they came to see me. Ils disent, doc, allons-y. I said, doctor, let's go. Il dit, je ne viens pas. I said, I won't go. Doc, allons-y. Doctor, let's go. 2 semaines. 2 weeks. 3 semaines. 3 weeks. 1 mois après. Maintenant. On m'appelait pasteur. Pastor. M'appelait laissez le pasteur partir. He said, let the pastor go. Le dimanche. On Sunday. On allait à l'adoration. When I went to the church service. Pasteur, faut prier pour nous. He said, pastor, pray for us. Et d'accord, je vais prier pour vous. I said, okay, I'll pray for you. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Et ici que. It's there. Les choses étaient toujours quand même lentes. Things were still slow. Et un jour. One day. Nous avons fini par faire la dose. We finally paid the drawing. Et après ça, un jour, and after that one day, après l'adoration, on était à la maison. After the church service, we are home. J'avais acheté un CD où le pasteur Benny Boniface entretenait les frères de la Riviera sur renversement des principautés personnelles et familiales. I bought a CD that I was watching in which Pastor Benier was preaching to the brethren of Riviera about the overthrowing of personal and family principalities. En temps, on avait déjà fait 40 jours de jeûne, et toi, on n'avait pas, nous, personnellement, on n'avait pas bien fait ces 40 jours de jeûne. And we had already, at that time, we had already done 40 days of fasting, but we didn't do it well. Et on a senti le besoin de refaire le jeûne. And we felt the need to retain the fasting. On allait voir le pasteur de Gonzague. We went to see Pastor de Gonzague. On a dit que vraiment, on peut prendre 21 jours sans personne volontaire. Said that we would like deliberately to take 21 days of fasting pour le renversement des principautés. For the overthrowing of principalities. Bien aimé. Dear beloved. C'est là que je vois la puissance de Dieu. Amen. C'est là que je vois que Jésus délivre. It's there that I realized that Jesus delivers, that I saw the power of God. Quand on a commencé. When we started. La première semaine. The first week. Je dormais. I was sleeping. Et le Seigneur m'a, à travers un songe, through a dream, je vois une femme qui appelait. I saw a woman calling, qui me disait, saying, Serge, au revoir. Serge, goodbye. Je ne veux plus être ta femme. I don't want to be your wife. Je veux me marier ailleurs. Je te dis ça comme une aujourd'hui. Maison que toi. I don't understand the same room as you. Au revoir, Serge. Goodbye, Serge. Je me rappelle, tu dis, c'est quoi ça? It's a office. Et il y a quelque chose qui m'a marqué. And something moved me. Quand cet esprit est parti, when that spirit went to party, les jours qui ont suivi mon amour, m'a bien aimé, et tu m'as multiplié par mille. The following days, my love for my beloved was multiplied by 1,000. Je l'ai vois, elle a regardé pendant 30 minutes. I could look away for 30 minutes. Elle dit, mais y'a quoi? She said, what's better? La deuxième semaine. The second week. Dans un songe. In a dream. J'ai vu des personnes baraclées. I saw people who are very qui coupaient des gros arbres. Cutting big trees. Ils abattaient des arbres. They were cutting trees. Et après cela encore. And after that, je me suis réveillé. I woke up. Et j'ai su qu'il s'agissait du renversement de l'adoration de l'Iroko. I realized that it was the overthrowing of the worshiping of that tree called Iroko. Alors on était encouragés. So we were encouraged. On ne voulait même plus boire de l'eau. We did not even want to drink water anymore. Parce qu'on savait qu'il y avait
Excusez-moi le terme, le gros kata qui m'attendait. Because we knew that there was the biggest part awaiting me. Et dans la troisième semaine. And the third. Bien aimé. Dear Lord. Ce songe-là. In that dream, au pied d'une montagne, I was at the feet of the mountain. Gros monsieur, there was a big man. Qui a fait trois fois ma taille. Who could be taller than me about three times? Il était énorme. He was enormous. Et je ne sais même pas s'il était habillé ou pas, mais ce qui est sûr, il était à vous là-bas, il était cagnard. I don't know if he was clothed or not, but what was sure was that he was up there and big. Ce qui m'a marqué. What moved me? Il avait ma sacoche avec laquelle je promenais tous les jours ici en semaine. He had my little bag with which I used to run around within my hands. J'étais dans le songe, mais j'étais étonné. I was still in a dream, but I was astonished. Il m'a dit, toi. He said, you. C'est moi qui te diplôme. I am the one who has your degrees. Ce sont mes diplômes à moi. These degrees are mine. Depuis longtemps, c'est moi qui les garde. And for a long time, I am the one keeping them. Et même dans le songe, j'étais étonné toujours. And even in a dream, I was still astonished. Cette histoire-là, c'est pas qu'un diplôme. Depuis longtemps, comme ça, il te souffre. So how come you are not holding my degrees for long that I'm suffering? Dans le songe, tantôt, j'étais en train de répéter, mais tout ce temps, tu quittes le service, c'est toi qui as mes diplômes. So even in a dream, I was still astonished, saying that all this time, you're the one who's holding my degrees. Il fallait que j'aille vers lui. So I was to go up to him. C'était chaud. It was really hot. Mais il fallait le Seigneur à côté de moi. But I needed the Lord with me. Si c'était mon seul, il fallait chauffer. If I was alone, it would have been. J'ai commencé à dévaler la montagne. I started to go up the mountain. J'ai commencé à courir. I started to run. Que la lumière me rapprochait. And as I was getting near him, je voyais ses bras. I could see his hands. Quatre fois mes bras. Four times my hands. Ses pieds. His feet. Peut-être cinq fois mes pieds. Maybe five times my feet. Il était géant. He was a giant. Et puis j'avançais. But I was going forward. Je continuais mon chemin. I was continuing my way. Et à cinq pas de lui. And five steps from him. J'ai commencé à voir la frayeur de son visage. I realized that he was afraid. Je savais qu'il n'avait pas peur de moi personnellement. I knew that he was not afraid of me personally. Il avait peur de celui qui était à côté de moi. Il s'appelle. And whose name is? Jésus-Christ. Jesus. Amen. Praise the Lord. Et que tu t'arrives à deux pas de lui. When I took two steps from him. Il a sauté d'un ravin. Avec ma sacoche. With my little bag. Je regardais dans le ravin. I looked in the hole. C'est pas Jésus, mais deux pieds vont se casser. If it's not Jesus, I will lose my feet. Si j'étais sur lui aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Jésus était à côté de moi. Et il s'est mis à sa porte. Et il venait de lui. And he wanted to come. Il courait vers moi. He was running toward me. Fais comme ça. When I did this, il a eu peur de fuir. Je t'appelle Marie. And I tapped my wife. Je t'appelle Marie. I said Marie. C'est fini. It is over. Le Seigneur fait qu'il commence la chaîne. The Lord, when he starts something, he completes it. Quand j'ai dormi, when I slept, le Seigneur va me parler. The Lord spoke to me. Il sait. He said, Serge, tu vas aller à Treshville. You will go to Treshville. Aller à NHP. At NHP, tu vas voir le professeur Tiembre. You will see the teacher called Tiembre. Il a un sujet de thèse pour toi. He has. Il
Gloire à Dieu. Praise the Lord. J'ai pris cela par la foi. I took it by faith. Quand je connaissais le docteur Thiembré, when I knew Dr. Thiembré, n'était pas encore professeur. He was not teacher. He was not professor. Gloire à Dieu. I said praise the Lord. Le matin, je suis habillé. In the morning time, I put on my clothes. À ce moment, c'était chaud. At that time, it was really difficult. Ma bien-aimée qui vendait du pain condiment. My beloved was selling sandwiches. En temps. And in the meantime, on habitait dans une ferme. We are living in a farm. Et on m'a donné de l'argent. She gave me money. J'essayais de porter quelques jolies habits. I tried to find some decent clothes. Et in the meantime, que Jésus avait tout changé. Amen. Et je suis allé là-bas. And I went there. Je suis entré dans le bureau. I went into his office. Je lui ai demandé et j'ai hésité. Parce que je savais qu'il était devenu professeur, mais le Seigneur m'a dit professeur. I was hesitating. I don't know if he had become professor, but the Lord said professor. J'ai vu quelqu'un qui dit le bureau du docteur, je dis, non, c'est le professeur qui est le meilleur, gloire à Dieu. Je suis entré dans son bureau. So I went into his office. Bien aimé. Dear beloved. Je suis allé là-bas. Go! I went early there. Je ne voulais même pas manger. I didn't even want to eat. C'était une jeune forcée ce jour-là. That day it was a fasting too. Je suis assis. I sat there. De 7h jusqu'à midi. From 7 to 12. Le docteur Thiembré, le professeur Thiembré ne venait pas. The professor Thiembré was not coming. La secrétaire utilisait des moyens de politesse pour me chasser, mais j'étais là. The secretary was using polite means to drag me away, and I stayed there. Tous ceux qui attendaient étaient partis. All those who were waiting had gone. Moi j'étais là. But I was there. Et à un moment, and at a certain time, j'ai vu la porte s'ouvrir. I saw the door being opened. Le professeur Thiembré est entré. And the professor went in. Il a salué et puis entré dans son bureau. He greeted me and went into his office. Après, il est ressorti. And after he came out, venez. He said, come in. Il dit, qu'est-ce que tu peux me donner? He said, what can I do for you? And I said, I'm a student. Professeur, j'ai besoin d'un sujet de thèse. But professor, I need a thesis topic. Et le Seigneur m'a conduit vers vous. And the Lord has led me to where you. Tu vas dire un professeur de médecine, le Seigneur m'a conduit vers toi. Peut-être qu'il va te chasser rapidement. I was really courageous because you are going to tell the professor of medicine that the Lord has led me to you. He will drive me out. Il m'a fixé. He stared at me. Et il m'a dit, moi-même, j'ai un sujet que je vais donner à quelqu'un de toute personne. Ça allait rapidement. It was going. Le Seigneur so me donnait des idées. The Lord was giving me ideas. Et il fallait que j'aie le net. But I was to have the network. Et Dieu m'a fait un miracle. The Lord will make a miracle. Work a miracle. Un riche homme d'affaires de Benjamin. A rich businessman from Benjamin. Avait un furon à l'arrière de la bus. He had a pimple on his thigh. Il allait voir les chirurgiens. He went to see the servants. Il allait à l'hôpital à Benjamin. He went to the hospital in Benjamin. C'était toujours là. It was still there. C'est, entre-temps, c'était devenu une plaie. And in the meantime, it had become a wound. Il y avait un soignant qui était à côté de lui, qui a dit qu'il connaît vraiment un médecin là. Que lui, c'est qui peut faire ça. There was a caregiver who was next to see to him and told him that I know a doctor who can do that. Et il m'a appelé. And he called me. Quand je suis venu, j'ai regardé la terre. When I went there, I saw the wound. Mais c'était simple. It was so simple. Parce que Jésus-Christ m'avait donné l'intelligence. Because the Lord Jesus had given me intelligence. Et il s'est plaît. To heal that wound. Le monsieur faisait des allergies au sparadrap. And the man had allergy to plaster. Il fallait prendre sur moi la bande. So I was to use rubber. Et ne fallait pas mouiller sa compresse aussi. And I was not to wet his rubber. En deux semaines, in 2 weeks, ça peut la cicatriser.
Il m'a offert un ordinateur acheté flambant neuf. Il n'a plus besoin d'aller à chaque fois au cyber. And he offered me a brand new computer. Et il m'a donné une clé pour que j'étais à la maison et je travaillais. And he gave me a pen drive, so I stayed home working. Ma bien-aimée m'a dit de ne pas sortir. Le matin, j'ai un long pain. In the morning, Seigneur a permis the Lord allowed que je puisse that finir mon travail. I finished my work. Les anciens, the others, les Gonzales, the Gonzales, et Baba Toumé, and Baba Toumé, Nathanael, et l'ancien Douassaï, and the Douassaï sont venus, came à Benjamin, to Benjamin, consacré mon travail au Seigneur. They devoted my work to the Lord, et je suis allé soutenir mon doctorat. And I went. Je ne suis pas arrêté là. The Lord has not there. Bien aimé. Il y avait des affectations. People were being posted. Je suis à l'âge limite de l'affectation. So my limit age to be posted somewhere. Des amis qui m'ont découragé. Some friends discouraged me. Je suis allé voir l'ancien de Gonzague. But I went to see Elder de Gonzague. Avec Mama Elise. Oui, maman Elise. Je sais que quand il n'est pas là, c'est elle qui me gère. Let's decide that when he's not there, he's missing, she's the one who takes care of me. Ils m'ont dit, va déposer tes dossiers. They said, go and give the file. Je suis allé déposer les dossiers. I went to deposit my files. Et après le jeûne complet, after the complete fasting, le Seigneur a permis que je sois affecté. The Lord allowed me to be posted. Bien-aimé. Dear Lord. Jésus est bon. Jesus is good. Je me promenais avec un sachet. I was running around with a plastic bag. Avec des tapettes clouées. With sandals with holes in them. Avec un pantalon délavé dans lequel on voyait ma cuisse. With a worn out trousers and we can see my thighs. Jésus m'a rétabli. Jesus. À la puissance de Jésus, by the power of Jesus, il faut que cette bien-aimée soit honorée. Amen.
témoignage, this testimony, est porteur de beaucoup de messages. Is a bearer of many messages. Ce n'est pas aujourd'hui seulement que nous apprenons que Jésus bénit. It's not that it is only today that we hear that Jesus delivers. Mais la question est de savoir. But the question is to know ce que toi tu dois faire. What you must do for être délivré. To be delivered to. Le frère dit, the brother said, qu'il y avait eu un jeûne de 40 jours. There was a 40 days fasting. Pour le renversement des principautés. For the overthrowing of principalities. Il n'avait pas bien fait ce jeûne. He did not do it well, that fasting. Et un jour, one day, en écoutant un message, when he was listening to a message, a enregistré, that has been recorded, ils avaient compris qu'il était nécessaire qu'ils reprennent le jeûne pour le renversement des principautés personnelles et familiales. They realized that it was necessary for them to retake the overflowing, the fasting for the overflowing of personal and family principalities. Et ils avaient repris le jeûne. And they resumed the fasting. À partir d'une révélation. Starting from a revelation. Je veux dire à partir d'une connaissance révélationnelle. That is starting from a revelational knowledge. Et avec un fardeau correspondant. And with the corresponding burden. Il a écrasé l'ennemi. He crushed the enemy. Avec toutes les répercussions qui nous donnent la louange et les actions de grâce aujourd'hui. With all the impacts that give us the praises and the thanksgiving today. Depuis que j'ai écouté son témoignage, since I listened to his testimony, j'ai d'abord compris pourquoi le Seigneur nous a parlé sur la victoire individuelle. I first understood why the Lord spoke to us about individual victory. Et nous avons ici une illustration exceptionnelle. And here we have an exceptional illustration. Comment une révélation commune? How a common revelation peut se transformer en une bombe entre les mains d'un frère? Can be transformed into a bomb in the hands of a brother. Il a écrasé l'ennemi. He crushed the enemy. Il dit que l'adversaire était un géant colosse. He said that his opponent was a big man. Quatre fois, cinq fois sa corpulence. Four or five times his weight. Ça, il ne pouvait même rien. He could do nothing. Et quand il approchait, but when he was going near, il a constaté qu'il y avait la frayeur dans le visage du démon. He realized that there was fear in the face of the giant. Au nom de Jésus, la grâce. In the name of Jesus, he overthrew him. Tu n'as pas encore attaqué lui. You have not yet attacked the enemy. Tu n'as pas encore attaqué lui. You have not attacked the enemy yet. Mais pendant ce jeûne, tu n'as même pas compris. Even during this fasting, you have not even understood. Quand Dieu donne une révélation, when God gives a revelation, c'est pour guérir. It is to heal. C'est pour délivrer. It's to deliver. Il dit que sa parole ne peut pas descendre. He said that his word cannot come down. Sans accomplir ses desseins. Without fulfilling his goals. Cette révélation est venue. That revelation came
pour que nous ayons des résultats comme celui-ci. For us to get results like this one. Si tu la laisses passer. If you let it pass, sans t'en approprier. Without making it your own. Vous voyez chaque année qui s'ajoute, nous tous vers la vieillesse. Every year that we have that added to our age leads us toward being old. Nous avons rendu ministère à une dame. We ministered to a woman qui avait donné la vie à Jésus quand elle était âgée de 32 ans. Who gave her life to Jesus when she was 32 years old. Et qui était combattue par la sorcellerie. And who was fought by witchcraft. Elle dit qu'il y avait des moments où son père se déshabillait devant elle. She said that there came times when her father put off his clothes before him. Elle avait des attaques. She had attacks. Elle partageait au pasteur. She shared it to the pastor. Personne ne comprenait son problème. No one understood her problem. Les gens chassent les démons, mari de lui, people, des autres. People cast out demons. People cast out demons, spirit of waters. There were doing the cares of the souls, the care of the souls, sorry. Et à 52 ans, and at 52 years old, elle a lu le brisement de lui. She read the breaking of evil ties. Elle pleurait. She started elle to dit, voici la solution. She said, here is the solution. Mais elle vient. But she cares quand je suis déjà vieille. When I am already old. Parce que la sorcellerie a même détruit son utérus. Because even witchcraft has already destroyed her uterus. Et il me fallait cette révélation à travers j'avais 32 ans. And she said I needed that revelation when I was 32 years old. C'est une grâce. It's a favor que pendant que tu es encore fort, that while you are still strong, tu as le secret. You have a secret. Tu as la clé. You have the key. Tu as la révélation. You have the revelation. Mais si tu manques de foi, but if you lack faith, tu as perdu. You have lost. Tu iras au ciel. You go to heaven. Mais but tu n'auras pas goûté à la gloire terrestre de l'Évangile. You will not taste the earthly glory of the gospel. Parce que Jésus dit. Because Jesus said, dans ce siècle-ci, in this age, et dans le siècle à venir, in the coming age, la vie est là. Eternal life. Les démons peuvent arracher ton mariage. Demons can take away your wedding. Ils peuvent enlever ta tête à l'école. They can remove your head at school. Ils peuvent enlever ta tête du travail. They can remove your head from work. Ils peuvent enlever ta tête de la direction spirituelle. They can remove your head from the spiritual direction. Ils arrachent tout ce qui t'est précieux. They grab everything that is precious to you. Et t'en foutent. And they bewitch you. Mais tu as les armes. That you have the weapons. Tu peux les traverser. You can overthrow them. Il faudra que tu planifies cela, même si tout le monde est fini. You must plan this, even if everybody finishes. Tu auras la victoire. You will have victory. Si tu négliges, if you neglect, il y aura des délivrances à gauche. There will be deliverances on your left. Deliverance on your left. Deliverances on your left. Deliverances on your right. Tu n'auras que les yeux pour regarder et les mains pour acclamer. You will only have your eyes to watch them and your hands to clap. Mais tu peux entrer. But you can get dans les desseins de Dieu. In the goals of God. Parce que Dieu nous a déjà tout donné. Because God has already shown everything to us. Je voulais parler ce soir de la révélation en rapport avec ce que le frère a dit. I wanted to talk about revelation related to what the brother said.
Le frère Zach a écrit le livre Révélation, une nécessité. Brother Zach wrote a book. Une nécessité. Revelation, a necessity. Si tu n'as pas de révélation, if you have no revelation, tu ne peux pas avancer. You cannot move forward. Tu ne peux pas agir divinement. You cannot work divinely. Et il a montré dans ce livre comment deux disciples du Seigneur Jésus rentraient dans leur village. Showed in that book how two disciples of the Lord Jesus were going to a village. Ils étaient découragés. They were discouraged. Ils ne croyaient plus à la délivrance d'Israël. They no more believed in the deliverance of Israel. Ils ne croyaient même plus à leur propre délivrance. They even no more believed in their own deliverance. Jusqu'à ce que Jésus ouvre leur esprit. Until Jesus opened the spirit. Ils ont été restaurés. They have been restored. À partir d'une révélation dans l'homme intérieur. Starting from a revelation in the inner man. Et ils sont retournés en Judée. And they went back to Judea. Ils sont allés partager avec les autres qui ont vu le Seigneur. They went to share with the others that they have seen the Lord. Pendant qu'ils parlaient, when they were speaking, Jésus est arrivé. Jesus himself appeared. La Bible dit qu'il ouvrit leur esprit. The Bible says that he opened their spirit. Afin qu'ils comprennent les Écritures. For them to listen to the scripture. Et ils ont compris les Écritures. And they understood the scriptures. Ils ont compris par révélation ce qu'ils connaissaient. They understood by revelation what they already knew. De la littérature des prophètes. Of the literature of the prophets. Et même de la prédication de Jésus. And even of the preaching of Jesus. Et ce jour-là, in that day, ils ont eu la connaissance révélationnelle. They had revelational knowledge. Et leur vie était transformée. And their life was transformed. Nous allons nous tenir. We are going to rise on our feet. Prie que Dieu te donne la révélation. Pray for God to give you revelation. Prie qu'il te donne la révélation sur la repentance. Pray for the Lord to give you revelation over repentance. Prie qu'il te donne la révélation sur terminer avec le passé. Pray for Him to give revelation about terminating with the past. Prie qu'il te donne la révélation sur comment renoncer à la sorcellerie. Pray for Him to give you the revelation about how to deny witchcraft. Pray qu'il te donne la révélation sur le brisement des liens malsains de famille. Pray for Him to give you the revelation over the breaking of evil ties, family evil ties. Pray qu'il te donne la révélation sur le renversement des principautés personnelles et familiales. Pray for Him for the Lord to give you the revelation over the overthrowing of family and personal principalities. Prie qu'il te donne la révélation sur la prière d'opportunité. Offrant. Amen. After the fasting for the nation, let each one go back to the front. Mon message repose sur une révélation et un témoignage personnel. Your message rests on a revelation and a personal testimony. Merci. May the Lord keep you back.